Yo les gens, c'est Opoc, aujourd'hui on se retrouve pour jouer à un jeu qui s'appelle Alt+F4. Et sur PC, c'est sur Steam, ça coûte 1,50€. Je crois que le but du jeu, si j'ai bien compris, c'est que je ne fasse pas Alt+F4. Alors normalement, c'est un cheat code dans Dofus pour doubler ses camarades. Alors sérieux, Alt+F4 c'est pour quitter logiquement. Et en fait, le truc c'est que je rage quitte pas. Ça fait longtemps qu'on m'a pas eu en facecam, t'as vu, mais en fait, j'ai acheté une caméra qui est trop bien. Mais je vais pas faire de la pub à qui que ce soit parce que je suis pas sponsor par eux. Mais franchement, le gâteau, putain, contactez-moi. Alors j'enregistre ça après l'intro que vous venez de voir. Je veux juste vous demander, si vous voulez, parce que je ne demande pas beaucoup sur cette chaîne, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Franchement, vous êtes nombreux à regarder, mais vous êtes pas nombreux à vous abonner. Vous cassez un peu les couilles. Ça se voit que j'ai pas dormi, que j'ai enregistré 13-14 heures aujourd'hui. Je suis fatigué, on est en plein milieu de la nuit, je vais me laver parce que je suis transpiré comme un porc. Abonne-toi, hein, c'est ta bite. Du coup, on va lancer le jeu. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Je vous jure que c'est vrai. J'ai juste vu vaguement sur le truc Steam qu'il y avait un espèce de chevalier avec une épée. J'ai pas compris l'histoire, il y a quoi dans son sac là. Il a pris un truc, il court et il aurait pas dû le prendre, c'est ça? Quoi, il y a des poules là. C'est un jeu français. Oh, attends, c'est mon premier chevalier que ça me dit. Il y a un timer. Je peux sauter et tout. Mais le jeu est beau. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois avancer. C'est tout. Moi, je suis déjà mort. C'est grave ou pas? C'est de la merde. Alors, attends. Ah, oh, je peux mettre en première personne comme ça. Je comprends rien. Je comprends rien. Deux secondes. Clic gauche, ça envoie des poulets. Ah. Et si je fais clic droit, je suis à la première personne, d'accord. Mais comment je suis mort tout à l'heure? Attends, je suis mort en jetant des poulets. Si je la jette à mes pieds, je meurs? Ah d'accord, ok, donc les poulets peuvent me tuer. Bon, vas-y, vas-y. Et donc là, on va sauter. Alors, j'ai l'impression que c'est un platformer un peu bizarre. Donc là, on va faire gaffe. Oh, mais c'est dur, ça. Ok. Il y a plein de trucs un peu compliqués, maintenant. D'accord. Oh mais attends, mais c'est trop rapide ça. C'est pas normal. Il y a une zone où je peux pas mourir logiquement si j'arrive à traverser. Ok, là je suis bon. C'est bon, j'ai réussi à passer. Waouh. Oh putain. Non mais attends, c'est pas normal. C'est trop rapide en fait. Ok, bon c'est bon là. Allez hop. D'accord, a priori y a pas de piège mortel pour le moment, je suis content. Hop. Oh, je vais mourir. Quel con. Putain, mais c'est quoi ces bruits de mort? Oh, il y a mes anciens cadavres qui sont là, je viens de comprendre, c'est marrant ça. Attends, parce que là, j'ai du mal. J'arrive pas à doser mes sauts. Quand j'appuie une fois sur espace, que ça soit plus ou moins appuyé, je saute de la même façon. Oh, je me suis fait tuer, merde, en touchant le truc. Mais je pensais que je le touchais pas en fait. Ah, mais le but, ça va être de retourner où j'étais. Oh non, mais oh, mais putain, mais pourquoi il glisse? C'est du beurre là, c'est ça? Je saute sur le cholestérol. Et contrôle. C'est avec G, faut que j'essaye. Ragdoll R. Normalement, si tu fais R, il se passe un truc. Ok, d'accord, ça me permet de tomber, de lâcher tous mes muscles en fait. Un peu quand tu touches les grilles électriques près des champs là. Type the safe balloon. Il y a des safe balloons! Il y a des ballons pour sauvegarder, ça veut dire. Ok. En tout cas, ça va retomber, vas-y. Attends, le. Oh! Un safe balloon! Putain, il y avait un point de sauvegarde, fais chier, mais c'est trop dur à viser! Ça, c'est dur, ça, je suis mort tout à l'heure ici. Ah, mais je peux passer là, non? Enfin, c'est pas si dur que ça finalement. Ah! Non! Non! Mais attends, c'est quoi? Non! 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 Putain, je pensais pas que ça allait me toucher tout de suite. Allez, tire-lui dessus. Oh, j'ai eu, c'est bon. Ça veut dire que je pourrais revenir ici quand je crèverai. Je crois, hein, bah enfin, j'imagine que ça fait ça. Mais ça, c'est trop dur, ça. Non, mais... Oh, oh, incroyable. Putain, j'ai vraiment trop de chance, hein. Enfin, du coup, là, je vais là. C'est quoi, les plaques? Non, putain, mais pourquoi je vais sur les plaques? Je suis vraiment débile, hein. Oh, les plaques, ça te one-shot. Mais comment je pouvais le deviner? Tu aurais pas fait mettre une tête de mort sur ces putains de plaques, développeur de... Puis j'ai tapé sur le ballon, ça m'a pas fait sauvegarder, en fait. À quoi ça sert, alors? Save. Ah, fallait marcher sur le truc, je suis débile. Hop, hop, on saute, là. On dirait un peu Fall Guys, mais sans tricheur. Non, mais attends, mais pourquoi c'est aussi piégé, là? Oh, je suis mort. Ah, je vais mourir, hein. Je saigne tellement, là. Attends. Oh, la vache, je l'ai fait un saut en avant, ça a marché. D'accord, bon, maintenant. Là, ça va être dangereux, là. Oh, attends, peut-être si je fais ça, là. Non, c'est pas ça. Ah, mais je vais me faire tuer là. Non. Oh, mais. Ah, je vais mourir, hein. Je vais me relever, je vais me faire éclater la gueule. Ah, non, c'est bon. Ok. Oh, non, mais c'est dur ça. Ça va pas, hein. Oh, putain, je suis mort. J'ai appuyé sur R en l'air et ça m'a complètement stoppé mon inertie. Fait chier. Mais pourquoi la save, ça a pas marché? Peut-être que ça marche qu'une fois. La save ne fonctionne qu'une fois, en fait. D'accord, je viens de comprendre. Allez, hop. Non! Non! Et donc là, si je passe comme ça, c'est ok. Et maintenant, je pense qu'il faut que je saute déjà là-bas. Et là, ça va être un trampoline. Non! Non, la vie de ma mère, j'ai cru que c'était un trampoline! Putain! Ça fait ça dans Mario New Donk City! Est-ce que ça va être encore une de ces fameuses vidéos de 20 minutes? Ou à la fin, je chiale et je suis en sang, mais j'arrive quand même. J'ai l'impression. Pardon! Mais non, c'est pas un trampoline! Mais j'ai cru! Peut-être fait exprès, hein, en vrai. Ok. Ok, putain, c'est dur, hein, parce que si je loupe un saut là, je vais crever et ça va me casser les couilles. Okay. Ah bah c'est pas... Je pense pas que ça soit le plus dur ces sauts là. Quoique c'est quand même pas si facile que ça, putain. Y a pas un truc save? Faut que je fasse attention, si je peux choper une save ici ça peut être bien.
Oh là là, j'ai paniqué, j'ai failli tomber. Oh là 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 là. Ouais, j'ai sauté d'un coup, non mais s'il fallait là, j'allais faire un AVC. Les sauts que je viens de faire, j'ai réussi le first try, mais c'est très exigeant, trop exigeant même. Oh les fils de... Est-ce que c'est bon? Oh la vache! Oh putain, yes! Alors attends, c'est très très lent, hein, donc je pense avoir le temps. Ah non! 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 Je recommence de tellement loin! Putain, je vais me retaper tous les espèces de petits piliers de merde et tout là! Tellement oppressant ce passage de con là! Je vois mes cadavres en bas! Non! J'ai voulu gagner un saut, ça va me coûter plusieurs minutes. D'ailleurs, c'est ici que je suis mort. Ok, c'est bon. Maintenant, y a pas un truc de sauvegarde quelque part? Putain, si j'en ai un, je l'ai pas vu. Et donc ça, c'est une plaque qui va m'envoyer valser. Oh, y a des poissons. Putain, mais trop bien, y a des poissons. Ken, tu sais pas comment t'es poisson? Oh, putain de fils de pute. J'avais pas compris. Je sais pas. Attends, 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 deux secondes. Là, je suis dans une safe zone. D'accord, j'y vais. Ah, mais en fait, ils peuvent me tuer, les poissons. Ah! Oh, j'ai fait vraiment nap. Mais... Attends, y a des trucs qui explosent et tout, là. Oh, 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 y a un truc de sauvegarde. Attends, cours, cours Loïc. Non mais attends. Il m'a lâché ou pas? Mais non, mais il tire beaucoup plus loin là, c'est bon. Oh, j'ai zappé un ballon, je l'ai vu hein. Oh, ok, ça sort de l'eau et ça remonte ça, d'accord, c'est là que je dois passer. Le truc c'est de sauter, c'est-à-dire du moment où il commence à sortir de l'eau. Non. Alors, je viens de me rendre compte que la caméra avait crashé, je sais pas comment c'est possible, j'ai corrigé je crois. Je vais relancer, je sais pas si ça a sauvegardé la progression. Je suis pas sûr, parce que ça s'appelle Alt F4 et j'imagine que si je quitte ça marche plus en fait. Ah putain, ça recommence tout, fait chier. Bon, tant pis. Je calculerai à la fin le temps que j'ai passé dessus. Mais je me demande si je suis loin de la fin ou pas. Et donc là, les poissons. Comme quoi, les japonais, ils font bien de vous défoncer, hein. Connard du dauphin. Je comprends pas vraiment comment passer ici. Je vais juste courir, ça passe. C'est quoi quand tu te fais agresser dans la rue? Quand tu cours, c'est ok. Ok, attends. Donc là, faut que j'avance assez parce que là, je dois aller ici. Et c'est là que j'étais mort d'ailleurs. C'est trop dur. Ici, c'est trop dur. Hein. Oh, ça fait deux fois que je crève ici. J'aurais dû peut-être... Oh là là, puis je me retape tout. Ça me tue. Putain, ça me saoule. Alors, mais il y a vraiment pas... Non, j'ai sauté trop tôt. Je suis un fils de pute. Trop con. Oh non, je voulais juste gagner quelques secondes, en fait. Putain, je suis débile. Si on s'attache au chevalier, peut-être que je jouerais mieux, non? Je vais l'appeler Jonathan. Allez, Jonathan. Regarde, là, on va se mettre là. Non, 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 mais c'est pas grave, au moins j'ai quand même gagné de l'avance. Je... Non! Jonathan! Non! Oh, je l'ai eu! C'est le point de sauvegarde, c'est le deuxième point de sauvegarde que j'ai jamais eu. Attends, attends, je prends content. Oh, attention! Ok, c'est bon, je l'ai. Et d'un moment, il tire plus en fait, d'accord, il tire que quand je suis là. Maintenant. Je pense qu'il faut pas trop que je me pose de questions. Allez! Non! Je suis passé entre deux putains de planches, sérieux! Allez, allez, allez. Ok, c'est bon, j'ai jamais été là, je sais pas. Pont, avec des trucs. Ça va pas tomber. Allez, vas-y. Ok, ça bouge un peu. Ah, c'est... Non! Non, sérieux! Y'a un jeté avisé comme ça, faut passer dans le petit cadran et tout. Je pensais pas me faire insta-kill quand même. Oh, mais chier. Non, le point de save! Fils de... Le canon, là. C'est dégueulasse, franchement. Non, mais c'est... Forcément que t'as envie d'Alt F4 quoi. Enfin, je suis désolé, mais les points de sauvegarde, ils se font détruire par le décor. Enfin, comme si dans Mario, un Goomba, il pouvait péter un checkpoint. Enfin, nique ta mère. Oh non! Ok, c'est bon, j'ai réussi. Alors là, en fait, faut aller à gauche. Putain. Allez, vas-y, c'est pas la peine de nous tortiller du cul, là. Allez, vas-y, Loïc. Ok, c'est bon. À droite, ok, d'accord. Yes, à droite! Ah! Mais c'est... Oh là 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 là! C'est frustrant, mais à côté, c'est marrant aussi. Putain. Fais chier, putain de fils de... Bon, on échoue toujours, mais on apprend des choses, et c'est le plus important dans la vie. Franchement, en fait, si je touche ne serait-ce qu'arbor, c'est fini. Ok, j'ai enfin réussi à passer, qu'est-ce que je fais là? Non mais c'est une blague. J'ai activé le mode ragdoll sans faire exprès. Mon armure a changé, on est d'accord. Mon armure, elle est dorée, là. Ou elle est plus comme avant. Je pense que c'est à partir de la 100e mort que ça arrivait. J'ai envie de chialer, j'ai envie d'appeler ma mère et de dire que je regrette de pas avoir travaillé à l'école. Donc là, la porte s'ouvre au milieu. La porte s'ouvre à gauche, ok. Oh, mais vous trouvez ça peut-être marrant, mais moi, ça me casse les couilles. Putain, parce que là, j'ai niqué un checkpoint, juste parce qu'en fait, le mec, c'est un putain de troll, quoi. D'un côté, ça me paraît logique. La première porte était fermée, j'aurais dû juste retourner dans la porte fermée après. Mais je voyais une porte ouverte, j'avais pas envie d'aller dans la porte fermée, tu comprends? À droite, maintenant. Let's go à droite. Ok, à gauche. Il y avait un point positif comme ça, et un truc fermé comme ça. Qu'est-ce que c'est?
Ok, c'est bon. Ok, c'était pas très dur à esquiver. Je comprends rien, ok? Il y avait des porcs là. J'adore Pumbaa. C'est un de mes personnages préférés de tous les Disney. Non! Non! Non, j'ai pas sauté! Là, on va mourir. Non, attends, on saute. Ok, c'est bon, on n'est pas mort. J'ai jamais été là de ma vie. Ok. Bon! Bon, ça va, là, je risque pas de crever, si. Il fallait prévoir un petit peu. Il va falloir jouer avec l'inertie du truc. Comme ça, voilà, c'est ça. Ok. Toujours assez facile. Déjà, il y a beaucoup moins de pression, en fait. Quoi? Mon personnage s'est blessé? Non, mais attends, je me suis fait mal comment? C'est pas normal, hein? Non! Ok, ça va. Putain, je dois tout me retaper, c'est pas grave. Au moins, je meurs pas. C'est la fin de mon calvaire ou pas? La fin, c'est fini ou pas? Là, je serais passé que 3 heures dessus. C'est toujours moins long que quand t'attends pour les appels ou pour l'emploi. Plaque, ça monte un peu là-bas. Attends, je vais pas tomber là. Ah, si, je peux tomber. Ok, c'est bon, là, je suis bien. Si je suis bien, le. Ok, c'est bon. Non, c'était pas si compliqué que ça à l'échelle finalement. Fallait juste bien suivre les bords. Oh, oh, il y avait des scies. Ok, donc je redescends tout en bas. Je suis pas mort. Ça aurait pu être vraiment pire. Je suis content. Je devrais faire un jeu comme ça sur Unity pour vous torturer un petit peu, vous aussi, bon. On avance. On recommence, c'est pas grave. Ça faisait longtemps que j'étais pas mort là. Comment on l'appelle lui? Je vais l'appeler KFC. Let's go KFC, on a mangé pas trop sinon vous allez avoir des problèmes cardiaques et vous allez mourir. Let's go Kentucky Fried Chicken. Vas-y. Non. Non KFC. KFC 2, vas-y, toi tu y arrives. Oh. Allez Kentucky Fried Chicken 3, toi tu vas y arriver. Tu es la perfection. Il faut des brouillons avant de réussir à faire quoi que ce soit. C'est comme les enfants. Kentucky Fried Chicken 3, allez. En quel honneur? Attends. Je suis peut-être pas mort. Non mais en quel honneur? Sans déconner! Oh putain, j'ai réussi à me somme débloquer. Oh, Kentucky Fried Chicken 3, on va y arriver. On revient de loin là. Pumbaa, let's go! En fait, ce qui me tue beaucoup, je suis en train de me rendre compte, c'est à la fin du ponton. C'est le saut, j'y arrive pas. Oh, j'ai réussi. Oh yes. C'est bon! KFC 3, t'as réussi! Tu t'es coincé la jambe dans le mur là. KFC 3, qu'est-ce que t'es en train de foutre? Allez, non mais t'es bon là. Y'a rien qui me touche. J'ai envie de frapper mon PC pour remuer le terrain. Allez, c'est bon là. Oh yes. Mais KFC 3, mais mec, mais c'est incroyable. Mais t'as survécu des trucs, mais Kentucky Fried Chicken 1 et Kentucky Fried Chicken 2, il serait fier de toi. Kentucky Fried Chicken 3. Non, quoi? Non, il va mort. Ils font pas de dégâts de chute quand il est en... Quoi? Quoi? Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Mais pourquoi j'étais sur le sol et je suis mort? J'ai pas appuyé sur G pour me suicider. Attends, non, je me suis pas suicidé, je suis quasiment sûr. Mais il y a 1% de doute qui subsiste. Ça me fait mal au cœur. Là, faut que je fasse attention à la scie, putain. Mais je sais pas, moi, elle vient d'où cette scie? Putain, attends. Ok, là, elle est là. Ok, il y a un endroit où elles se croisent et où je ne peux pas les éviter, d'accord. Bon, bah, vas-y, hein. Et là, c'est bon. Là, ok. J'ai failli faire une grosse erreur, là. Ok, c'est bon. Oh, il y a une lame... Non, mais sérieux, putain. Putain de merde, mais encore pire, quoi. Et je suis où, là, maintenant? Ah, mais c'est que le début, en fait. C'est pas fini. Oh, ça vient de me foutre un coup au moral. Non mais ce jeu est fini avec la piste. Non mais ce jeu est fini à la piste, sérieusement. Mais il y a même pas de son. Mais vous voulez pas faire un effort, je sais pas, j'ai payé. Je me suis pas spoil, je sais pas, il faut combien de temps pour finir ce jeu, je sais pas. Je suis juste en flou total là. En vrai, j'ai l'impression de quand même faire une grosse distance quoi maintenant. Mais c'est pas assez. Je suis jamais mort ici. Oh, j'ai failli mourir. Oh là là là. C'est bon, je suis revenu ici. Ah, fais chier, putain, il y a un ballon de sauvegarde ici, je l'ai loupé. Au moins, je sais qu'il y en a un là. Pardon, pas y penser, mais c'est complètement con. En vrai, je devrais peut-être juste courir là. Oh non, sérieux? Oh, je pensais pas qu'il y avait des objets destructibles comme ça dans ce jeu. Vas-y, je cours juste. Hein. Je pense que la stratégie, c'est juste de courir et point barre. Non, mais vous foutez de ma gueule. Non, mais mec, il y a des chevaliers qui viennent pour me tuer maintenant. Je pensais pas que le jeu était aussi développé, merde. Donc là, ma strat, c'est juste de courir. Hein. On verra si ça marche. Je comprends. Faut vraiment pas. Attends, là il y a des mecs en poulet qui vont arriver. Enfin, il y a des mecs qui vont arriver, donc il faut que je les démonte au poulet, j'imagine. Ok. Oh, putain, comment tu voulais que je sache avant que je rencontre ça? Putain. Ah, puis je me fais toujours bombarder, sérieux? Taverne.
Très bien. Non mais attends, mais je me fais tirer par quoi? Mais à quel point c'était téléguidé ça? Attendez. Oh putain, j'avais pas vu. Ok, ça va. Ils ont oublié de rajouter des sound effects. Ça casse les couilles. Ok, donc là, le but c'est de pas tomber. Hein. Non, non, la sauvegarde. Non! Je suis tombé, c'est grave. Ok, c'est bon. Je suis tombé, je sais pas du tout si je devrais être là. Mais tout ce que je sais, c'est que je suis vivant. C'est pas pour longtemps, mais... Ah, attends. Ah, oh, il y a des plateformes là. Vas-y, je pense que c'est par là qu'il faut aller. Je sais pas comment c'est possible que je me sois retrouvé là, mais... Ah, il y a encore des poissons. Oh, putain, c'est quoi cet enfer, là? J'en suis où dans le jeu? Ok, donc là, le but, c'est d'aller là, comme ça, on est déjà au plus proche de cette merde. Bah, let's go, hein. Oh, putain, mais regardez-moi la taille de ce truc, quoi. Ah, là, 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 là. Ok, c'est bon. Oh, j'ai cru que c'était une plaque, j'ai eu trop peur. C'est un ressort, mais je dois aller où? L'espèce de con. Mais tu veux pas me dire? Non, 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 meurs pas la ragdoll! Putain! J'étais tellement bien! J'étais tellement loin en plus! T'as oublié de faire ça sinon j'étais mort! En fait, j'allais me péter les jambes! Excusez-moi, le développeur, j'ai pas deviné que ça, c'est un trampoline! Putain! Moi dans la vie j'aime pas abandonner, mais des fois en fait c'est juste trop compliqué. C'est comme par exemple quand t'as certains cancers, bah malheureusement t'as beau te battre, tu vas mourir. Mais c'est ce que j'aurais dit si j'étais un fils de... Mais c'est pas parce que ce jeu c'est le cancer du cul, ou même le cancer du sang ou le cancer des os, ce que tu veux. T'as rien à foutre, je vais le finir, ok? Je prendrai peut-être 4-5 heures s'il me faut. Je me ferai péter parce que le développeur c'est un putain de taré, probablement abonné à la chaîne de Morandini. Mais j'y arriverai, je me bats les couilles. Je peux passer? Merci. C'est bon. Ok, donc là, ça c'est un trampoline, ok? Et il faut aller... Je pense que c'est quelque part par là-bas, peut-être au-dessus là. Il y a qu'un seul moyen de savoir. Évidemment, évidemment, en se pétant les jambes là. Il y a un piège, il y a un truc. Putain, mais c'est pas fini! Ok, d'accord. C'est des oies mâchées pour chien ça. Je le reconnais, hein. Je mangeais ça quand j'étais petit. Ok, donc... Quoi? Mais il y a des trucs qui tirent encore là-bas! Attends, ces trucs là que je mangeais quand j'étais petit... Ça s'est accéléré tout à l'heure, non? Je suis con, peut-être. En vrai, il n'y a que les balles qui peuvent me tuer, là. On est d'accord que le jeu veut que je... Ouais, ok, ça s'est accéléré. Le jeu veut que je passe par là-bas, on est d'accord. Par là, où il y a les autres nonos, là. Mais si je passe par là, c'est grave. Ah, putain, j'ai pas réussi. Ouais, comme ça, quoi, tu vois. Qu'est-ce que c'est, ça, là-bas, là? Ah, ça tire encore, là-bas. Putain, il a pris toutes les assets qu'il a trouvées sur l'Unity Store, il a fait ça, quoi. C'est insupportable. Ok, vas-y. Hop, ok, c'est bon. Let's go! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je suis tellement loin. Oh, il y avait un ballon! Bon, c'est pas grave, au moins je saurai qu'il est là la prochaine fois. Non, attends, faut que j'attende le bon moment pour sauter et pour me faire propulser de cette merde là. Oh là 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 là! Oh là là! Mon dieu! C'est trop stressant, j'en plein le cul, j'en ai marre! Là, si je me mets là, je me fais pas toucher, on est d'accord? Oh là là, mais je suis tellement loin, j'ai pas de checkpoint. On va déjà comprendre ce qui peut me tuer. Déjà, si je passe sur la droite, c'est ok. Là, c'est bon. Non! Non, faut pas passer sur la droite. Bon, point positif, j'ai trouvé des strats qui me facilitent un peu les choses quand même. Je trouve que j'ai très bien avancé, que j'ai très bien géré, même si je suis... Forcément, j'aurais pu first try jusqu'à la fin, évidemment. Mais c'est comme tout, en fait. Genre, il y a des trucs que tu prends plus ou moins de temps à faire. Comme le permis, il y en a qui réussissent du premier coup, il y en a d'autres qui réussissent pas du premier coup. Bon, faut... en fait, le truc, c'est pas se foutre la pression, de prendre son temps, de comprendre que des fois, faut prendre un peu plus de temps que les autres, parce que il y a même pas une question d'intelligence là-dedans. C'est juste une question de, des fois, t'arrives mieux à anticiper des trucs et tout. Enfin voilà, moi j'arrive pas. C'est juste une question de chance ou pas de chance. Des fois, tu vas passer le permis, le mec il va te demander un créneau, puis l'autre il va passer son permis, il va juste avoir à se garer en épi. Comment ça, j'ai du mal avec les créneaux? Ah mais les créneaux, il y a qu'à Paris que t'en as besoin. À Paris, il faut aussi savoir se battre, avoir un couteau suisse dans sa voiture. Putain, mon jeu rame de plus en plus, hein. Est-ce qu'à la fin j'aurai un best-of de mes morts comme à la fin de l'année sur TF1 avec Jean-Luc Reichmann? Ça commence à me gonfler, ça commence à me gonfler. 189e chevalier, chevalier Squeezos, pas Squeezie. J'ai bien dit Squeezos. Squeezie c'était son père. Je sais pas si en France il y a déjà eu des mecs qui ont joué à ce jeu parce que ce jeu date d'avril. Écoutez, moi je vous mets au défi de finir ce jeu. Moi je vais le finir ce jeu de merde. Pourquoi y a aucun gros youtubeur qui tryhard comme ça là? Vous gagnez pas assez de thunes? C'est des vannes, je vous jure que je pense pas. Même pour tout l'argent que tu veux, tryhard tout le temps, c'est très dur psychologiquement. Vraiment c'est dur, c'est pas facile. Il y a eu tellement de moments où j'ai eu envie d'insulter ta mère là. On se... Non! Connasse de l'âme! Putain! Et puis je meurs à la fin. Ça n'a aucun sens. En plus, le jeu rame, je vais leur route, hein. Du coup, je dois avoir à peu près 6h30, 7h dans les pattes, là. J'ai l'impression de parler comme un routier. Ah ouais, non, mais le jeu ramait beaucoup trop tout à l'heure, hein. C'est pas normal, hein. Ah non, mais je pense savoir pourquoi le jeu ramait, en fait. Tout à l'heure, c'est parce qu'il y avait beaucoup trop de mes corps partout. Corps avec qui j'ai des collisions et tout, donc forcément, ça fait bosser le moteur et. Ah! Oh non! Non! C'est trop dur ici, hein. Je suis stressé, j'aime pas ça.
J'essaie d'aller là-bas, en face, là, sur le petit caillou de merde, dans l'ombre. Je pense que c'est une zone assez safe. Non. Non, j'ai pas autant de chance. Non ! Merci, Dieu. Merci ! Oh, tête de mort, là. Qu'est-ce qu'il y a ? J'arriverai jamais à refaire ce que je viens de faire, par contre. Hein. J'ai peur, hein. J'ai vraiment peur, en fait. Et des chutes de pierre, d'accord. On bouge plus le temps de comprendre un peu ce qui va se passer. Non, putain ! Oh, j'ai pris un quart d'heure pour aller ici, pour faire tout ce que je viens de faire, là. J'y arriverai jamais tout de suite, c'est sûr, là. Il faut une strat vraiment calculée au pixel de cul. En fait, là, il faudrait... Et je vais devoir traverser d'un coup. Et pour m'arrêter où ? C'est ça, la question. Oh, putain. Ah, fais chier, j'avais compris. Dans le petit coin, là, j'étais pas mort. Vraiment pas que je sois mort là par contre. Vraiment nul à chier. En fait le problème c'est dans ce genre de situation, tu vois surtout tes échecs plutôt que les progrès que tu fais. Mais en fait depuis le début, j'ai fait des progrès mais de ouf. J'avance tellement, j'ai tellement appris le jeu en fait. Forcément si je continue comme ça je vais y arriver mais c'est déprimant à force. Enfin je comprends pourquoi je suis déprimé aussi mais il faut que j'arrive à me focus sur ce que j'ai déjà réussi à faire. Peut-être qu'il me reste la même distance à parcourir, je sais pas. Mais tout ce que je sais c'est que j'ai déjà avancé. Et faut pas que j'oublie ça non plus. C'est important de pas oublier qu'on a déjà avancé dans la vie. Même moi j'ai tendance à avoir plutôt le négatif qu'autre chose en fait, parce que je pense qu'on est un peu fait comme ça, on est un peu tous pareil, alors que pourtant bah j'ai fait plein de trucs dans ma vie, genre j'ai... Oula, on va s'avancer déjà là, ici là, ok là on est bien. Attends, je viens de comprendre un truc je crois là. Ah ouais, non mais attends, ici là. Yes, yes, j'ai compris, non mais si j'ai compris, c'est pas grave si je meurs, au pire. Oh, je suis même pas mort. Yes, enfin j'ai compris comment ça se passait, ce passage de fils de p*** là. Pardon, je suis grossier, je sais, mais faut me comprendre aussi. T'es pas sur YouTube Kids ici, mon pote. Je suis fatigué là, je vous jure. Ah, j'ai l'impression que je peux survivre en fait entre les deux là. Bah ici quoi. Mais il y a le caillou qui tombe, non c'est pas ça? Ouais, il y a... Ah oui, oui, ça y est, je m'en souviens. Ici. Ok, j'ai survécu. Le caillou est tombé devant moi. Je sais pas comment c'est possible. J'ai même pas envie de me poser de questions. Il y a une caillasse qui tombe, c'est ça? Même pas en plus. Non mais j'ai jamais été aussi loin, je crois. Si je saute, j'ai peur de mourir. Pardon de mourir quand le caillou revient. Je ne pensais pas que le caillou avait des propriétés corrosives qui permettaient de me one-shot, fils de p***. Non, je pensais pas mourir. Être mort comme ça, ça me fout un peu les boules quand même parce que j'avais tellement bien réussi. C'est quelque part ici, non? Je sais pas comment je fais, mais j'arrive. Sois content pour moi, d'accord, un peu? On va me mettre ici plutôt. C'est bon? C'est fini les caillasses de merde ou pas? J'en suis où là? Qu'est-ce que c'est ça? J'ai jamais été ici, j'ai peur. Il y a encore des trucs. Non mais... Ok, d'accord. Bah oui, bah je suis mort en fait. Comment je fais là? Non mais attends, mais je savais pas moi. Je peux traverser ça là? Attends, je peux peut-être survivre. Hein. Bon, si je tombe, je ne pas cher de ma peau, j'avoue. Ah, j'aurais pas dû faire ce que j'ai fait, je pense. En fait, j'aurais jamais dû sauter sur le rocher. Bah ça m'a tout niqué, j'ai l'impression. D'accord, donc là, ce caillou est invisible. D'accord, non mais pardon, ce caillou, c'était Dumbledore dans Harry Potter, fils de... Excusez-moi! Bon, c'est pas grave, on a un peu avancé pour une fois, et ça me fait plaisir. Rien que ça me fait plaisir, en fait. Ok, on redescend tranquille ici. Putain, au début, ça me faisait paniquer, mais finalement... Ok, hein. Alors, attends. Ah! Ah! Yes! Yes! Je vais pouvoir trahir d'ici! Yes! Oh là là, ça me gratte, parce que je stresse. Ah, ok, Ok, d'accord, il faut vraiment faire attention. Ah, ah. Oh non! J'ai sauté comme une bête! Oh non! Et puis je recommence là. Oh là 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 là, je suis déçu. On n'y est pas loin, j'en suis sûr qu'on n'est pas loin là. Bon là, un peu quand même du coup. Non, quoi? Wow! Quand t'as l'impression de réussir un truc hardcore, en fait, il se sort un truc encore plus difficile. J'aurais peut-être dû réfléchir un peu plus sur le passage d'avant, c'est pas impossible. Non, faut pas que je fasse ça. Putain, je suis bête. J'ai traversé la pierre. J'ai juste traversé la pierre. Voilà, je voulais vous le dire. Ça fait 10 heures que je suis dessus. Ça fait au moins 4 heures que je suis sur cette partie-là. Avec les pierres de merde et tout, là. Donc oui, ici, ça commence à me casser le cul, en fait. Et c'est pas amusant. Surtout qu'il n'y a aucune logique derrière ces pierres de merde. Non! Non, sérieusement! Sérieusement, je crois que j'avais réussi. C'est pas grave. C'était le meilleur try que j'ai jamais fait. On va y arriver. J'en ai aucun putain doute. J'ai réussi. Enfin réussi. Ça fait plusieurs heures que je suis toujours plus. Attends, parce que en fait, je ne sais pas quand se finit le jeu. Donc je sais pas ce qui va m'attendre, je sais pas ce qui m'attend. J'ai une boule au ventre, c'est terrible. Ça fait des balayettes. Ok, y a rien d'autre. Ok.
Je peux monter sur l'escalier ou pas? Fils de jeu. Connard, va. Ok, donc eux, ils m'attaquent en boucle. Okay. Donc je vais juste courir. Et point barre. Ok, ok. Donc en fait, je me fais... pas mort, pas encore mort. Je suis mort. Putain, en fait, il faut courir, mais faire attention à pas te faire taper par les trucs. Non mais incroyable. Non mais j'en reviens pas que je sois encore vivant. Oh non, je me suis fait toucher par un tir, sérieux. Ok. Je suis pas mort. Oh non, putain. Non, j'en ai mort. Le jeu de fils de pute, il est trop fond. Putain. Let's go. Deuxième fois que je suis ici. Je cours juste, hein, je cours juste. Je m'en bats les couilles. Ok, donc je suis tombé. Ok, je suis pas mort. Oh, la chance, je m'avais pris les pieds dans un truc. Non, quoi? Non, mais sérieusement? Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je l'ai fait une fois, je peux le refaire une autre fois. Vraiment. Allez, s'il te plaît. Putain! J'ai réussi, encore une fois. Pas de ballon ici, pas de ballon un peu ici, ok. Ok, j'ai jamais été là. Jamais été là. Qu'est-ce qui se passe? C'est la fin? Non, c'est pas la fin. J'ai pas fini le jeu. Non. J'ai fini le jeu, ça y est, j'ai pas de musique. J'ai fini le jeu, putain j'ai pas de musique, c'est terrible. Mais c'est beaucoup moins épique pour vous que pour moi. Non, pour moi que pour vous, parce que j'ai pas de musique. Mais vous en avez une, genre vraiment je suis éclaté. En fait aujourd'hui j'ai enregistré je crois 12h30, 13h. C'était la fin ici. C'est KFC 3 qui a gagné, d'accord. Moi je me souviendrai toujours de lui, ok. Combien du coup dans le classement? Il est où KFC 3? Il y a des mecs qui ont fini le jeu en 3 minutes 49. J'arrive même pas à faire caca en 3 minutes 49. Franchement, j'en reviens pas. Ça a été aussi peu épique malheureusement pour moi. J'avais rien du tout, il y avait plus de son ni rien. Et nul à chier. Oh là là, c'était un cauchemar. J'ai une boule au ventre. Oh mais je suis trop heureux, mais je crois que c'était pas ouf. Enfin, est-ce que c'est une bonne run que j'ai faite? Je suis pas sûr, hein. Parce que finalement, je me dis, je suis mort peut-être 300 ou 400 fois. Et j'ai dû relancer le jeu parce qu'au bout d'un moment, il ramait. Donc est-ce que ça voudrait pas dire que le développeur du jeu s'est dit, oh, normalement, si tu meurs une centaine de fois, t'as fini le jeu, tu vois. Je sais pas combien de temps prend un premier try, j'en ai aucune putain d'idée. Je m'étais pas spoil, je vous promets, sinon je pense que j'aurais peut-être un peu mieux joué. La stratégie des derniers trucs, j'aurais aimé la voir. Putain de merde, j'ai pas le F4 encore, ok, là je vais le faire bientôt. Quand j'aurai fini cette vidéo, parce que je vous emmerde. Sur ce, je vous dis à très bientôt, et surtout... Abandonnez jamais, putain de merde. Sauf si vous voulez sortir avec quelqu'un qui veut pas, du coup, bah là, vous pouvez rien faire de spécial, tu vois.